Hey, salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ben, vous le voyez, je me trouve en bordure d'un lac et c'est noir. Mais j'ai mon kayak qui est juste ici. On est encore peut-être une demi-heure avant le lever de soleil. Et ben, je m'en viens essayer de voir des orignaux. On a une journée matinée relativement chaude, fait autour de 15-16 degrés. Et il n'y a pas de vent du tout, donc j'ai une belle eau miroir derrière. Donc j'espère croiser des trucs. Et ben voilà, c'est parti. Toujours rien à l'horizon. Ça commence à être un petit peu plus clair présentement. Mais malgré tout, je suis quand même à 6400 ISO sur les réglages, donc c'est encore assez sombre. Toujours pas de vent. Toujours pas d'orignaux non plus. Très calme par exemple. Il faut être bien attentif au son aussi parce que les orignaux, lorsqu'ils sont dans l'eau, c'est pas très très subtil, donc faut porter attention à ça. Mais pour le moment, je scrute les petites baies, les petites tentes. Toujours rien à l'horizon. De Rignou, mais je me suis installé dans un bon secteur où il y a beaucoup de nourriture. Puis je vais attendre un petit peu ici. Les moustiques, eux autres, sont apparus, donc peut-être que les orignaux aussi. Donc ça fait peut-être 40 minutes que je suis installé. Ah, la petite anse ici, donc c'est le silence radio, rien du tout, il y a 20 grains ronds loin, tout à l'heure, mais c'est tout. Puis pas un son, pas un craquement, pas... Donc, je vais retourner au début de ma randonnée ici,
Il y avait des petites îles. Puis c'est un bon coin là-bas pour les orignaux. Souvent, les femelles vont mettre bas au printemps sur des îles, justement, parce qu'ils sont protégés des prédateurs. Et il y a beaucoup de nourriture là-bas. Fait que je pense que c'est une habitude, peut-être pour eux autres aussi. Moi, j'en ai souvent vu là-bas. Donc, je pense que ça s'enligne comme ça. Je vais aller faire un petit tour là. J'aimerais bien trouver les huards après. Je les ai entendus ce matin, donc ils sont sur le lac. Mais c'est tellement grand que ils peuvent être un peu n'importe où. Eux autres cherchent pas les algues, donc les orignaux ont des endroits un peu assez spécifiques ici sur le lac. Ils vont pas au milieu du lac où c'est super profond et il n'y a pas d'algues. Mais les huards, eux autres, ils vont n'importe où, donc. Voilà. C'est super beau, par exemple, super calme. C'est magnifique. Super beau, mais pas d'animaux. C'est les seuls oiseaux que j'entends, c'est les qui se calent au loin. Vu quelques arles et c'est tout. Très très tranquille comme matin. Mais bon, ça peut changer à tout moment. Sur du lac. Thank you.
super de belles rencontres avec le grand héron. Il y avait une belle réflexion dans l'eau. L'eau est super calme, donc il y avait une belle réflexion. Il m'a quand même laissé approcher assez proche. Ce qui est difficile en kayak, c'est qu'à un moment donné, tu te mets à dériver, tu t'approches. Tu veux pas non plus faire peur à l'animal. Fait que si tu pagayes, tu risques de lui faire peur. Mais si tu pagayes pas, tu t'approches, puis éventuellement, tu lui fais peur. Donc, c'est une situation un peu particulière. Donc, je me suis juste laissé approcher. Puis, à un moment donné, visiblement, j'étais trop près. Donc, il s'est envolé. Mais vraiment, une belle rencontre. C'est vraiment un bel oiseau. J'ai vu pêcher un ou deux trucs. C'était beau parce qu'il est monté sur l'espèce de rocher. Après ça, il a décollé. Il s'est en allé juste à côté sur un autre petit rocher. C'était super beau. Fait que je pense qu'il y a quelques belles photos et une belle rencontre. Je suis pas content. Donc aujourd'hui, je photographie avec le 180-400 mm. Je n'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais j'aime beaucoup travailler avec des zooms, justement, je suis sur l'eau, parce que c'est très difficile de se déplacer sans faire de bruit, puis une fois qu'on est installé, c'est quand même assez difficile de se déplacer. Donc le zoom permet vraiment d'aller chercher des cadrages différents, donc c'est très intéressant comparativement à une focale fixe. Je trouve que c'est plus pratique. C'est un peu moins lumineux. Mettons qu'un 402.8, mais je trouve que c'est plus pratique. Et surtout, on ne sait jamais à quelle distance on va être de notre sujet. Donc c'est pour ça que ça peut être bien de pouvoir se replacer fréquemment. Quelque chose dans l'eau là-bas. C'est le grand héron. Le grand héron est revenu juste un peu plus loin. T'es pas trop farouche quand même là. J'ai vu pire que ça. Mais ouais. On va essayer d'aller voir s'il n'y a pas des orignaux, mais sinon là, la matinée commence à être déjà bien entamée, bien avancée. Donc même si la matinée est bien entamée, ça fait 2h30 que le soleil est levé. La luminosité est encore super faible. Donc les nuages sont très très épais, ce qui fait que c'est très sombre. Et surtout en kayak, on va avoir une vitesse qui est quand même assez rapide parce qu'on a le mouvement du kayak, ça bouge. Donc on veut au moins avoir idéalement un sur la focale en vitesse. Ça fait que il faut monter les ISO quand même pas mal. Ce qui est un petit peu moins intéressant pour la qualité d'image. Mais bon. La photographie de nature, photo animalière, c'est que des compromis. Fait que. Ouais. Donc j'ai finalement recroisé. En fait, c'est une mère ours avec ses deux petits. Donc en fait, elle a traversé la presqu'île et elle est ressortie, elle était dans les buissons, c'était très difficile à voir, à photographier. Je pense que sur la vidéo, on voit bien les branches qui bougent, mais je pense que c'est pas mal tout ce que j'ai pu voir de cette famille-là. Donc c'est ça. Mais quand même une belle rencontre avec le grand héron. C'était super bien. Là, il est déjà rendu quand même assez tard. Je me dirige tranquillement vers le quai pour retourner à la maison. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez, partagez. C'est toujours apprécié. Et merci beaucoup à mes partenaires, leurs photos et FLM Tripods. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.